Salut tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi incroyable, ma foi magnifique. Parce qu'aujourd'hui on va prendre des risques, voilà, je vous le dis déjà, je vous regarde de vous à moi, de toi à moi, de toi, de ce que tu veux en fait à moi. On va aller voler tout simplement un quad 450. Voilà, j'ai reçu un petit message de ma petite secrétaire qui m'a dit, écoute, il y a un 450, faut que tu ailles le voler. On avait volé, souvenez-vous, une KTM hein, chez les Ballas. Alors cette fois-ci, c'est pas chez les Ballas, parce qu'en fait, là, on est clairement recherché par les Ballas. Voilà, je le dis. On est en embrouille avec eux. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chez les Vagos. Chez les Vagos, vous savez, eux, les Vagos, c'est un gang. T'as vu, c'est un quartier chaud. Ça va être compliqué. On va aller chez eux. On va essayer de voler, tout simplement, les gars, un quad 450 YZ. Alors ça, c'est pas mal, ça, un Yamaha. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, on est parti. Let's go. C'est parti. On y va. On va voler. Pouce bleu, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Ok les gars, du coup je suis actuellement équipé de l'équipement, hein, le mec est équipé, voilà, moi je suis équipé, je dis rien, je vais voler, vous m'appelez, vous me collez, je viens directement, je viens voler. Alors, on va prendre comme d'habitude notre petite moto, parce que c'est vrai que j'aime bien prendre la moto, ça me rappelle des petits souvenirs, disons que voilà, j'ai volé des voitures de super-héros, etc. avec. Directement dans les commentaires, si vous voulez que je vole la voiture Squid Game, parce qu'il y a une voiture Squid Game sur GTA 5, est-ce que vous voulez que j'aille la voler ou pas dans les commentaires, à vous de me dire, à vous de voter. En tout cas, tout ce que je sais actuellement, c'est qu'on est plutôt pas mal, on est plutôt bien. Le problème étant, c'est que il y a des risques. Voilà, il y a clairement des risques chez les Vagos. Les Vagos, c'est des Espagnols, c'est des Mexicains, c'est des... Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est des... Voilà, hispaniques, quoi, on va dire. Donc c'est un peu dangereux. C'est parti, on se retrouve tout de suite chez les Vagos. Ok les gars, on se retrouve directement ici les gars. Et on est à côté de... du quartier Vagos. Donc voilà, les Vagos, c'est tout ce petit quartier. Hein, c'est un quartier plutôt chaud, j'ai envie de dire. Faut vraiment pas y aller comme ça. Parce que on risque clairement la mort. C'est la mort là qu'on risque. Hein. C'est la mort, c'est chaud. Voilà, regardez, vous avez même une memory. Ok, ouais, ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est tout ça. Il y a des gens. On va faire le tour par là. Voir ce que ça donne. Voir où est-ce qu'il est le quad. Ok, la joie du monde là. Ok, là je vois du monde ici. Oh ouais, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde réuni. Ok, c'est bon. D'accord, c'est ici. Ok, je vois le quad. Je vois le quad. Le quad est juste ici. Je viens de voir le quad. Je vais vous faire un petit zoom. Par là, on peut pas. Non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de passer par là. Ce qu'on peut faire. Bon, déjà, regardez, vous avez les voitures des Vagos. Hein. On est clairement chez les Vagos. Vous avez les véhicules jaunes, hein, parce qu'on rappelle la couleur des Vagos, c'est le jaune. Donc là, vous avez les petits... Oh punaise, heureusement que c'était pas un gars de chez les Vagos, parce que ça aurait été risqué d'y aller comme ça, les gars. Ah ouais. Ok. D'accord, alors ils sont là-bas. Je vais faire genre, je sors mon téléphone, et je vais en même temps prendre des photos, voir ce qu'on peut faire. Parce que là, la technique à faire, souvenez-vous, on avait appelé la police. Non mais attends, là on peut rien faire du tout les gars, what the fuck. Donc le quad il est là. Ok. Et là t'as tous les Vagos. T'as tous les Vagos qui sont là et qui sont déterminés et qui sont là à nous dégommer. Le problème étant, c'est que ça va être tendu de y aller. Ça va être vraiment tendu. Parce que, regardez, même si je me gare là. Ok, je peux me garer là. Ok, mais c'est tendu. Je peux pas, c'est pas possible les gars. Franchement, c'est pas possible de voler un quad comme ça les gars. D'y aller et se dire, vas-y, tu sais quoi, je vais voler le quad. Non, je peux pas, les gars. À tout moment, on se fait buter. À tout moment, on se fait buter. Regardez, mais ils sont combien autour du quad? Déjà, pourquoi ils sont tous autour du quad? C'est ça la question. Pourquoi ils sont tous autour du quad? Bon, je vais tenter une autre technique. Oh, regardez, ils commencent à s'énerver les gars. Ouah les gars, ça commence à s'énerver. Ok, j'y vais. Ça y est, voilà. Regardez, ils sont tous sur moi, ils me tirent dessus. Je vous ai dit quoi les gars, on peut pas. Tu ne peux pas rester dans un quartier, c'est pas ton quartier. Voilà. Et en fait, quand tu restes plus de 10 secondes dans ce quartier, bah tu te fais des gommes. Et là, ils sont en métrousse. Ok, je vais voir ce que ma secrétaire peut me dire, si il y a possibilité de faire un truc les gars. Ok les gars, je viens de recevoir un petit message de ma secrétaire. Elle m'a dit, écoute, voilà, je vous affiche ça. Elle m'a dit, écoute, là, les Vagos, ils ont un enterrement. Il y a eu un mort chez les Vagos. Il y a un enterrement au cimetière de GTA 5. Peut-être qu'ils vont ramener le quad là-bas. On va y aller là-bas. Mais le problème, c'est que moi, t'as vu, c'est chaud.
C'est un enterrement, ça se fait pas quand même. Donc voilà, ne le faites pas, ne le faites pas. En tout cas, on va y aller, on va aller voir comment c'est. Et si jamais il y a un bail, on y va, on prend le quad, on se pète. C'est tout, on est des voleurs, nous. Nous, on vole des quads, on vole des motos, on vole. Ok les gars, on est actuellement au cimetière de GTA V. Donc, hein, techniquement, c'est ici qu'on enterre, eh bien, j'ai envie de dire les morts, hein, qu'on enterre. Il est mort. Et là, ah, bon, déjà, il y a une voiture verte, c'est bizarre ça. Ouais, non, mais comment je vais faire ça, moi? Oh, regardez, ils sont combien? Regardez, ils sont combien? Ok, je vais faire genre, je prends une photo. Je vais analyser un peu le truc. Déjà, les quads, je les vois. Les quads, ils sont juste là-bas. Ça, à chaque fois, ça nous sert de. Un peu de sniper, quoi. Ok, donc les quads sont là, il y en a deux. Ouais, wow, il est magnifique, le quad. Par contre. Oh. Ah ouais, non, mais. C'est chaud, franchement c'est chaud les gars, ça se fait pas, hein. Vous avez tout le monde et tout, ils sont là. Bon les gars, il faut qu'on prenne le risque, il faut qu'on y aille. Au bout d'un moment, nous, on a des colonnes ou pas les gars. C'est parti, let's go. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Non, pourquoi je crie? Pourquoi je crie? On fait genre ouais les gars, on passe, on fait comme si on passait. On fait comme si on passait. Je pense que le mieux, c'est de prendre celui de gauche. Ouais, celui de gauche c'est bien. Bonsoir, bonsoir messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Pouhou. Ok. Pouh. Non, je vais me corser les gars. Oh my god, les gars, on vient de voler tout simplement un quad YZ. Il est magnifique les gars. On va aller voler ce custom. What the fuck? Ouais, c'est bien un quad les gars, c'est bien un YZ. Et c'est bien un 450. Il est incroyable. Ok, bon, faut que j'aille doucement, les gars. Faut pas que je fasse n'importe quoi avec, parce que si on fait nimp, on risque de se faire des gommes. Wow, mais il est trop beau, les gars. Il est trop beau. Faut que je vous le montre, les gars. Faut que j'aille vite voler ce custom. Bon, par contre, niveau tenue de route, c'est plutôt pas mal. Je vais pas vous mentir qu'il est vachement stylé en tenue de route. Est-ce qu'il fait des trucs bizarres? Non. Ouais, franchement, il tient bien la route. Il tourne plutôt bien. Ouais, par contre, ça fallait s'en douter, les gars. Je vais juste taper un poteau. En tout cas, il est très beau. En monster comme ça, j'aime bien. Après, je pense que un quad simple, c'est bien aussi, les gars. Genre, vraiment, parfois, faut pas se prendre la tête. Genre, simple, c'est bien aussi. Genre, moi, je le verrais bien. Franchement, si j'avais un quad, je le mettrais en jaune et noir ou un truc comme ça. Genre, un délire comme ça. Il est trop beau, les gars. Il est vachement trop beau. Ok. Ah bah, ce véhicule ne peut pas être modifié. Ah bah, d'accord, ok. Bon, on peut pas le modifier, les gars. On peut pas le ramener avec les custom. Maintenant, est-ce qu'il va vite? C'est ça la question. À combien il bombarde? Est-ce qu'il prend bien les sauts? Est-ce qu'il va bien sur les montagnes? Est-ce qu'il a une bonne tenue de route? C'est ça la question. C'est ça qu'on veut se poser. Donc déjà, on va faire un petit saut pour voir s'il a des bonnes suspensions. Oh shit. Ok. Il tient bien la route. Bon, par contre, je sais pas conduire du tout, les gars. Il tient bien la route. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. On va aller en montagne, les gars. On va tester ça en montagne. Ok, les gars. On est actuellement, les gars, à l'aéroport de Trébol. Et à l'aéroport de Trébol, qu'est-ce qu'on connaît, les gars? C'est les routes, simplement, comme ça. Les routes un peu montagneuses, un peu désert. Et techniquement, le quad est censé bien rouler dans ce genre de route. Donc, déjà, il a une très, très bonne tenue de route. Il roule plutôt bien. Bon, bah, d'ailleurs, au passage, il y a un buggy. C'est stylé. On croise un buggy, les gars. Hey, petit buggy, comment vas-tu, mec? Ouais, il a franchement une bonne tenue de route. Et franchement, je suis plutôt choqué. On va essayer de prendre des montagnes, les gars. Prendre des sauts. Ah ouais. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, tu tapes un truc, tu tombes direct, quoi. C'est abusé. Wow, la roue, elle était magnifique. Oh, les gars, les gars. Est-ce qu'on va passer avant le train? Est-ce qu'on va passer avant le train? Pouh! Wow, c'était stylé, c'était magnifique. What is this shit? What is this fruit? En tout cas, on est plutôt bien, on est plutôt pas mal. Par contre, je vais vous montrer à quoi ressemble le quad, parce que c'est vrai que je voulais pas montrer comment il est bien. Genre, comment il est fait, comment il est beau, comment il est wicked, Robin, c'est le reste, whatever. On va se garer juste là. Hop, je me mets en première personne. Attendez, il enlève juste son casque, parce que sinon, avec le casque, c'est un peu dégueulasse. Voilà, hop, et c'est parti. Donc voilà. Le quad il ressemble à ça, donc c'est bien un 450, les gars.
Bon, c'est un petit code. Bon, c'est vrai qu'il y a des 700, il y a d'autres choses, hein. Mais là, honnêtement, je suis plutôt content. Dites-moi dans les commentaires quel prochain véhicule vous voulez que je vole, hein. Est-ce que vous voulez que je vole la chez... Est-ce que vous voulez que je vole un T-Max? Est-ce que vous voulez que je vole, je sais pas moi. Dites-moi dans les commentaires. À vous de me dire. En tout cas, le petit quad est plutôt stylé. Donc c'est bien un Yamaha. J'aime bien le petit truc qu'on sort, le petit délire, le petit côté blanc et noir avec les petits rappels jaunes. C'est stylé. Franchement, il est beau. Monte en première personne. En tout cas, il est vachement stylé. Dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. C'était tout simplement, je vole un quad 450 dans un quartier très chaud. Voilà. Bon, les Vagos, vous avez vu, hein. Par contre, les Vagos, c'est pas comme les Balas. Hein. Les Vagos, on s'est posé dans le quartier. Ils nous ont dégommé direct. Bam, ça a tiré direct. Ça a même pas cherché à comprendre. Ça a pas cherché à midi 14h. Ça a tiré. C'est direct chez eux. Vous avez vu? Il y en a un, il est venu vers moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais dans notre quartier? Je lui ai dit, écoute-moi, je fais ici, je me gare juste. C'est un parking. Non, 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 t'es dans notre parking là. Il nous a tiré dessus direct. C'était chaud. Prochain quartier à voir. Hein. On a encore les familles et tout. On a encore pas mal de petits quartiers. Sur ce, on se salue. Pouce bleu, cloche.